Salut Pierre-François. Donc je présente Pierre-François, qui est le directeur du domaine de la Tour l'Évêque, qui produit le rosé, le pétale de rose. Et j'avais quelques questions qui vont peut-être intéresser ou certainement intéresser les consommateurs, ceux qui ont l'habitude de boire du pétale de rose. Donc Pierre-François, parle-nous un petit peu du domaine, la chance d'avoir un terroir qui permet de produire des vins en culture biologique. C'est pas donné à tout le monde, voilà, c'est une chance qu'a le domaine de la Tour l'Évêque. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, bien sûr. Ben, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, le domaine du château de la Tour de l'Évêque, c'est un domaine familial qui appartient à ma tante par alliance, Régine Sumer. C'est un domaine sur lequel on est en bio depuis 2005. Et effectivement, le bio, ça correspond à une philosophie de travail qui a toujours été à la Tour de l'Évêque depuis le grand-père de Régine. Il n'y a jamais eu de désherbant chimique à la Tour de l'Évêque. Et la certification, donc, on l'a demandé en 2005. Et là, actuellement, on se pose même la question de demander la certification en biodynamie. C'est le cas sur l'autre domaine, Barberolles. Et là, on se pose la question pour 2021 ou 2022 à la Tour de l'Évêque. Alors, c'est vrai qu'on a un climat qui s'y prête. Parce qu'en Provence, bon, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup moins de pluie qu'à Bordeaux, en Bourgogne. Et un climat assez chaud. Et aussi, on a la configuration du domaine qui s'y prête aussi, parce que les 83 hectares ne sont pas d'un seul tenant, mais presque, parce que en deux blocs. Et la configuration fait que c'est plus facile à travailler que des coteaux ou des vignobles qui sont en terrasse, par exemple. Ok, merci. Et puis bon, Pétale de Rose chez nous a beaucoup de succès. Il a reçu pas mal de reconnaissances, de médailles depuis quelques années. On peut imaginer évidemment que c'est le fruit du travail de nombreuses années dont tu viens de parler. Est-ce que tu as une anecdote liée au succès de Pétale de Rose et qui n'est pas démentie jusqu'à présent, qui est de plus en plus demandée? Est-ce que tu as une anecdote relative à cela? La création du pétale est très importante pour nous parce que c'est à l'origine le premier rosé clair de Provence. Et c'est en allant visiter le château Aubryon à Bordeaux et son ami Jean-Bernard Delmas que Régine a vu qu'ils utilisaient un pressoir hydraulique. Et on avait un pressoir hydraulique à Barberolles. Alors Régine a demandé à Jean-Bernard, ah, c'est intéressant, ça ferait plaisir à papa de savoir que vous avez un pressoir hydraulique vous aussi. Et Monsieur Delmas lui a dit, tu devrais essayer de presser, mais en grappe entière sur les blancs, tu vas voir le résultat est beaucoup plus fin et élégant, c'est intéressant. Donc Régine, quand elle est rentrée à Barberolles, elle n'a pas essayé sur les blancs, mais elle a essayé sur les grenaches parce qu'elle s'est dit la vinification des rosés, c'est la même au final que les blancs. Et quand elle a essayé sur les grenaches, le jus est sorti très très clair et clair, mais aussi beaucoup plus fin et élégant qu'à l'époque. Et c'est le fait de presser en grappe entière sur ces pressoirs hydrauliques verticaux comme en Champagne et qui pressent très délicatement. Et elle s'est dit, c'est très intéressant et on va le présenter. Et en fait, l'anecdote intéressante, c'est que quand elle a présenté pour la première fois aux Côtes-de-Provence, il s'est fait recaler parce que le rosé était trop clair pour les Côtes-de-Provence à l'époque. Et c'est Régine qui a dû batailler pour le faire accepter parce qu'il disait c'est une espèce d'hybride entre un blanc et un rouge, ça va pas, etc. Alors que maintenant, c'est le contraire. C'est le contraire, quand les rosés sont un tout petit peu trop foncés, Ils sont en Côte de décalés. Elle Provence, a on les réussi à appelle pas. imposer la couleur. Voilà, exact. Alors du coup, elle a utilisé cette même méthode de vinification qui a eu un succès fou à Saint-Tropez. Elle a utilisé cette même méthode de vinification sur l'autre domaine, le château de la Tour de l'Évêque, qui à l'époque était... Enfin, qui était plus grand, puisqu'il fait 83 hectares, alors que Barberolles ne fait que 12 hectares. Et ça lui a permis de vendre en bouteille, parce qu'à l'époque, en Provence, il y en a beaucoup qui vendaient qu'en vrac. Donc, elle a pu vendre en bouteille grâce à l'invention du pétale de rose. Voilà. Ok, est-ce que tu peux nous parler du millésime 2019 et est-ce qu'il y a des caractéristiques bien particulières? Moi, je viens de les recevoir, donc je les ai dégustés. C'est vrai que c'est délicieux, Oui. comme d'habitude. J'en ai déjà bu deux bouteilles de la palette que je viens de recevoir. Ah, mais très bien. Voilà, est-ce qu'un millésime un peu pas, est-ce qu'il y a une particularité du millésime? Alors, ce millésime, je dirais que c'est un millésime où on revient
au pétale de rose que l'on connaît. C'est-à-dire que sur le millésime de l'année précédente, on avait eu, c'est vrai, une récolte un peu plus basse parce qu'on avait été, touché par le mildiou qui avait quand même 30% de récolte en moins. Et c'est vrai que sur l'assemblage de pétales de rose, il y a 8 cépages et les 3 cépages principaux sont Grenache, Cinsault, Syrah. Et c'est-à-dire que sur le millésime précédent, il y avait beaucoup moins de Grenache, parce qu'on avait fait 50% de Grenache en moins. Alors que sur ce millésime 2019, on a eu une très bonne récolte, donc, et qualitativement et quantitativement, parce qu'on a les volumes normaux. Et je dirais que qualitativement, du coup, le Grenache est de retour, hein, et on retrouve le côté, si vous voulez, si tu veux, sur le pétale de rose, le côté structuré, arrondi, et aussi le fruit du Grenache dans le pétale de rose. Okay. Donc on a le pétale que l'on connaît, alors que le millésime précédent était plus, il y a le Cinsault qui était un peu plus important et c'était plus sur la finesse du Cinsault, mais le Grenache manquait. Donc voilà, okay. on est plutôt content du millésime 2019. Ok, super, merci beaucoup. Merci Bruno, merci beaucoup.